Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Gaëlle. Aujourd'hui, je vais répondre à quelques interrogations que vous me posez souvent. Alors, comment brûler plus de graisse? Comment brûler plus de graisse? Alors, ça, c'est une bonne question. Alors, brûler plus de graisse, on va y arriver en faisant du cardio, du renfo ou de la muscu et du gainage. Alors, il faut savoir un truc, c'est que plus on va fabriquer de muscles, plus on va brûler de graisse rapidement. Donc, c'est-à-dire que le muscle utilise de la graisse et de l'énergie pour se construire. Donc, c'est très important de construire du muscle. Pourquoi je ne dis pas faites du cardio, du cardio, du cardio, du cardio et encore du cardio? Parce que le cardio, c'est bien pour entretenir son corps, c'est bien pour perdre, il n'y a pas de souci, ça permet de perdre de la graisse, ça permet de perdre de l'eau, mais ça fait perdre aussi, quand c'est à outrance, un petit peu de masse musculaire. Alors, on perd de la graisse, on perd de l'eau, mais alors, il faut bien tonifier tout ça. Alors, tonifier tout ça, comment? Donc par le renforcement musculaire ou par la musculation. Et quand on renforce, après il faut resserrer. Donc resserrer comment? Par le gainage. Alors, pour le nombre de calories dont vous avez besoin. Alors j'avais déjà fait une vidéo sur le nombre de calories nécessaires. Donc il y a le calcul du métabolisme de base avec le facteur multiplicateur. Alors, les pages sont disponibles sur ma page Gaël Coaching, coaching avec un C majuscule. Vous aurez la formule, le facteur multiplicateur. Alors, concernant la masse musculaire. Alors, la masse musculaire, on me dit souvent, je m'entraîne, je m'entraîne, je m'entraîne et je n'arrive à rien, je ne grossis pas, je ne fabrique pas de muscles, je ne comprends pas, je reste comme je suis. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? Tout se passe, je vais vous dire, dans l'alimentation. Alors en fait, si vous n'avez pas une alimentation en quantité suffisante ni de qualité, vous n'arriverez pas à construire du muscle. Alors là, c'est un fait avéré. Sans l'alimentation équilibrée qui va avec, la construction de muscles n'est pas effective. Alors au final, il faut consommer quoi? Il faut consommer de l'eau. Des protéines. Alors pourquoi aux protéines? Ben, nous, on a besoin d'eau, on a besoin de nourriture. Pour vivre, pour se développer, et ben le muscle il a besoin d'eau et de protéines pour se construire. Donc si on ne mange pas de protéines, c'est comme si on voulait construire du muscle ben, sans rien du tout en fait. Donc si on ne prend pas de protéines, pas de muscle. C'est comme pas de briques, pas de maison, pas de bras, pas de chocolat, ça veut rien dire. Bon, passons. Pour le muscle, revenons à mon mouton, où j'en étais. Pour le muscle, alors des protéines, oui, les protéines, l'eau, mais aussi des glucides et des bonnes graisses. Il ne faut pas supprimer la graisse parce que la graisse, elle est importante pour la vie. Donc c'est important de manger du gras, mais du bon gras, pas du gras tout cracra, des fast-foods à longueur de journée. Non, non, non. Des bonnes graisses. Après, c'est aussi important, alors je vous ai dit de boire beaucoup d'eau, mais aussi de se reposer. Donc, bien respecter les temps de repos dans vos séances muscu, donc entre vos séries, mais aussi bien dormir à la maison. Donc, c'est très important parce qu'un corps reposé travaillera mieux. Bah, c'est comme quand vous êtes fatigué et que vous essayez de réfléchir, bah, des moments, ça coince un petit peu, quoi. Donc, bah, pour le muscle, c'est exactement pareil, ça coince. Après, c'est important d'éviter l'alcool parce que si on prend de l'alcool, ben on va moins bien travailler. C'est comme si on mange gras, si on mange McDo la veille et qu'on veut faire une bonne séance de muscu, ben le corps sera déjà fatigué. Donc là, ben c'est un petit peu la cata. On va pas bien travailler, on va être un peu déçu de ce qu'on aura fait et au final, le bilan ne sera pas positif. Après, c'est important aussi de ne pas être stressé, puisque le stress est négatif, néfaste, pardon, pour la production de muscles. Donc, détendez-vous. Un seul mot, détendez-vous. Allez au spa, écoutez de la musique douce, allez vous vider la tête avec vos potes. Bon, attention, hein, pas la bouffe dégueulasse et pas l'alcool à fond, à fond.
Après aussi, pour fabriquer du muscle, c'est super important de travailler les muscles avant-arrière. Alors, je m'explique. Si on travaille à fond les pecs, on travaille le dos également. Si on travaille les biceps, on travaille les triceps. Si on travaille les quadris, on travaille les ischios. Si on travaille les adducteurs, intérieur de cuisse, on travaille les abducteurs. C'est pareil. On travaille toujours avant-arrière, intérieur-extérieur. Pour éviter les déséquilibres. Et c'est pareil, messieurs, on travaille le haut du corps, mais on travaille aussi un petit peu le bas du corps et on n'oublie pas les abdominaux, très important. Donc, pour avoir une silhouette harmonieuse. Alors, si vous avez des questions, donc là, j'ai répondu aux questions principales qu'on me pose tout le temps, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me poser. Les questions sur ma page Gaël Coaching, Coaching avec un C majuscule, je rappelle, parce que sinon vous ne me trouverez pas. Et si vous aimez mes vidéos sur YouTube, n'hésitez pas à liker, à partager. Et puis voilà, les petits pouces, on aime, on like, on partage. Allez, bonne soirée à vous!